tuddu Daouda Fall dëkk Bambe Séré nek responsabilité boulangerie campus 2 de fournir étudiants yi te falé Isfar ak restaurant Afrique boulangerie bi mu ngi nek fi ci restaurant Europe man may fournir tous les étudiants yi nek fi ci Bambe chaque fois dama len di jox mburu bu am qualité parce que directeur beugou dara lo xamanteni manam lu neex étudiant yi lañ ci djublu rek pour liguey bi rafet te bax am sel am qualité waaw lo rek lañ ci djublu mais du lenen élève ingénieur à l'Institut supérieur de formation agricole et spécialité eaux et forêts et en dernière année de formation, et en même temps le président de l'amicale de cet institut. Bon, comme vous venez de le voir, le directeur du CRU s'était déplacé aujourd'hui rien que pour revoir l'avancée des travaux qu'il nous avait dit qu'ils vont le faire en quelque sorte. Aujourd'hui, nous voyons comment ces travaux s'avancent et nous sommes au bon début de ces travaux. Et aussi, nous sommes convaincus de ces dires qu'il venait de dire tout à l'heure. Il va tout essayer de faire pour qu'on puisse terminer ces travaux à temps. Et en même temps, il va nous aider pour nous construire un bon bureau d'amical et en même temps équiper notre salle d'espoir en quelque sorte. Et nous étions ravis de ce déplacement qu'il a fait avec son équipe, rien que pour revaloriser notre service. Merci. Aujourd'hui, nous étions venus visiter les sentiers du CRUS de Bambe, qui est, je vous le rappelle, un démembrement de l'État. C'est l'État qui a décidé de mettre à notre disposition un volume de 1000 lits, plus un restaurant de 1000 places, et puis toutes les commodités, comme le service médical, comme les salles qui sont dédiées aux études. Donc là, nous étions venus pour voir l'état d'avancement des travaux. Et c'est tout heureux que nous avons constaté que les entrepreneurs ont respecté les délais. Et donc, les chambres sont pratiquement réceptionnées, en tout cas, elles sont pratiquement terminées. La grande salle qui est dédiée au restaurant de 1000 places est presque achevée. Et puis, les salles d'études, idem. Il reste peut-être l'aménagement, comme vous le voyez, de quelques espaces verts et puis de certaines commodités. Donc, nous sommes très contents et puis nous sommes très satisfaits de notre visite. Et on me fait dire que tous ces travaux-là, tout ce volume sera réceptionné au plus tard, au mois de juin 2023, au plus tard. Donc ce sera le premier semestre 2023. Et je disais tout à l'heure que c'est l'occasion de féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour les efforts importants qu'il a déployés pour l'amélioration de la condition des étudiants. Comme vous le savez, et j'ai l'habitude de le dire, à Bambe, les Bambéois n'ont pas vraiment investi dans l'immobilier. Et même les étudiants, quand ils sortent du campus, ils ont du mal à trouver des appartements à louer ou des maisons mises à disposition, tellement l'offre est très inférieure à la demande. Et comme vous le savez également, notre volume de lits actuellement disponible est vraiment très en deçà de ce qu'il devrait être en termes, de ce qu'il devrait être en termes d'offres. Donc nous sommes contents de pouvoir réceptionner dans les meilleurs délais ces 1000 lits plus les commodités. Et je rappelle également que c'est un bâtiment très moderne puisque les handicapés, les personnes qu'on appelle les personnes à mobilité réduite ont été prises en charge, de même que les autres personnes qui souffrent malheureusement de certains handicaps. Donc c'est l'occasion de remercier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour la clairvoyance, gouverner c'est prévoir, et puis effectivement il a vu que Bambe s'agrandit
Il a vu que Bambey va vers des problèmes, en tout cas au niveau de l'offre de services de logement. Il a pris les devants et puis il nous a construit 1000 lits. Donc merci beaucoup, merci énormément à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall.